Donc salut à vous, humains, martiens, martiennes, aliens, et autres créatures de l'espace. Vagabond du cosmos, d'origine terrienne, j'arrive, grâce à mon vaisseau, le Nulinium, de la planète Vocifer, probablement vous servir, peuple du Philistère. Je suis aussi ambassadeur de la pop, pensée orthographiée, populaire, publique. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un mot récent sur Terre que je ne digère pas, que je ne comprends pas, qui s'appelle le pass sanitaire. Et justement, à ce niveau-là, je me suis inquiété et je suis allé voir un grand érudit, le petit Robert. On a regardé, et bien figurez-vous qu'il n'est pas écrit nulle part, officiellement. Et donc, en fouillant, on a trouvé d'autres mots. D'autres mots qui commencent par passe. Et donc, on reconnaît les érudits d'un autre côté. Et donc, je vous propose un petit jeu. Alors attention, soyez attentifs parce qu'il y a un gros lot à gagner. Je vous propose de faire un tour dans l'espace. Alors, je vais vous donner... Vous allez essayer de trouver des mots. Vous allez lever la main. Il y a deux définitions. Une définition terrienne et une définition de ma planète Vocifer. Si vous trouvez l'une d'elles, vous gagnez un point. Je veux quelqu'un qui compte les points pour les personnes. Qui veut compter? Toi. Toi qui ne fais rien. Toi qui ne fais rien, c'est le pire. On va bien crier pour se mettre les points. Non, mais tu repères les gens, c'est bon. C'est bon, je suis perdu, ça y est, il y a trop de monde. Alors, est-ce que quelqu'un... Alors attention, c'est les mots composés. Composé, ça veut dire qu'il y a un... Oh. Mais le jeu n'a pas commencé, hein. Ça va, c'est pas grave. Donc, qui a un mot composé qui commence par passe? Passe partout. Non, mais toi, tu joues pas, connard. Attends, mais faut lever la main. C'est toi qui choisis qui parle. Allez, David. On passe muraille. Oh. Le passe muraille. Est-ce que je l'ai ici? Eh ben non, je l'ai pas. Parce qu'il a dû se prendre le mur. C'est tout. Un autre mot. Passe-temps. 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 Alors, qui a une définition pour passe-temps? Le bar. Bouchou, bouchou. Je puis son livre. Il y a une définition. Yannick a un point, il a trouvé un mot. Merci. Alors, le passe-temps. Quand il fait moche, on aime passe-temps. Passe-temps, divertissement ou occupation privilégiée auquel on s'adonne dans les moments de loisir. Ça, c'est la définition terrienne. Moi, j'ai la mienne de ma planète Vocifer. Un passe-temps, juste la vieillerie qui vous rattrape. Allez, un autre mot. Un autre mot. Un passe-passe pour madame. Alors, je laisse là. Bien. Passe-passe, tour d'adresse consistant à escamoter un objet, tromperie, habile. Ça, c'est la planète terrienne, définition. La mienne, c'est un joueur de sport collectif bègue qui veut la baballe. Ah oui, là, il y a un passe-passe. Vous avez compris. Certains ont compris, pas tous. Hein. En général, ceux qui disent qu'ils ont compris, ils n'ont pas compris. Non, ça marche pas. C'est pas composé. Alors, un autre. Passe l'orange. Non, ça marche pas. Passe montagne. Passe montagne, ça marche. Passe montagne. C'est un bonnet de tricot enveloppant la tête et le cou. Sur ma planète, c'est un touriste qui préfère passer ses vacances à la mer. Normal. Allez, un autre mot. Passe
Passepartout. Non, j'ai déjà dit, il m'a dit que ça marchait pas. Passepartout, passepartout. Si, non, ça marche. Passepartout, ça marche pas. Passepartout. Ouais, mais tu l'as déjà dit, mais c'est pas grave. Qui l'a dit là, passepartout? Non, c'est un peu composé, passiflant. Si, c'est composé. Passepartout, clé, faite de telle façon qu'elle peut ouvrir plusieurs serrures différentes. Sur ma planète, c'est une troisième main dont on peut faire usage en toutes circonstances. Oh. Bon, je vous vois venir. Allez, un autre mot. Un mot de passe. Non, dans l'autre sens. Allez, je vais continuer sur les durs, ceux qui ont une idée de la définition, vous me dites. Alors attention, il y a des mots, il n'y a pas de tiret, mais c'était tellement beau comme jeu de mots que j'ai préféré les garder. Qu'est-ce qu'un passereau? Un oiseau. Yannick a un point. Il est parti. T'as suivi? Non, il a dit qu'il n'y a pas de tiret. C'est ce que j'ai dit avant. Allez, écoutez. On répète les règles. T'as pas écouté, toi? Bien, c'est vrai qu'on est long. Je suis déjà dehors. On croit le gouvernement. Un passereau, effectivement, c'est un petit oiseau. Un petit oiseau au concours, souvent chanteur. Sur ma planète, la définition, c'est une tape dans le dos qui permet de faire son rond. C'est mignon. Ah ouais. Un passepoil. Pas trop usage. Un coupe-souffle. Allez, tu peux mettre un point pour Myriam, parce que c'est celle qui s'en rapproche le plus de la définition de ma planète. Comme quoi, t'es un peu allumé quand même. Hein. C'est pas nouveau, ça. C'est rien à dire. Un passepoil, au niveau définition terrienne, c'est une bande de tissu de cuir prise dans une couture pour former un liseré. Sur ma planète, c'est une brosse ou un rasoir pour se faire le maillot. C'est pas loin. Un passe-laine, ça a été dit ou pas? Non. Un passe-laine. Alors, c'est les aiguilles une passe mentière. T'as dit quoi? Une passe mentière. Alors, une passe mentière, c'est une personne qui fabrique ou vend de la passe menterie. Attendez. Passementerie, c'est un ensemble de divers articles tissés et façonnés à la main ou à la machine, utilisés comme garniture dans l'ameublement. Façon franche, macaron et les conneries. Les froufrous à moitié. Sur ma planète, une passementière est une femme au caractère entier qui passe son temps à mentir. Vous n'avez pas compris? Oui. Ah, comment? Un passe-laine. Les aiguilles à coudre la laine. Ah bah si, quand on fait les mystères, petit... ça, c'est les passe-laines, ça sert à coudre la laine. On va dire que c'est un passe-lacet, d'accord? Non, c'est un passe-laine. Mais il n'a pas la laine. Un passe-muraille. Je suis dans son équipe. Il va être dans le Tiller Rousse, mais pas le Tiller Rousse. NSE. Ouais, attendez, je continue à aller. Un passe-volant. Ouais. C'est pas pour les rideaux, ça. Viens, un point là-bas. Un passe-plat. Ça marche. Deux points, là. Alors, sur Terre, un passe-volant, c'est un faux militaire présent lors des revues pour grossir les rangs d'une compagnie et dont les officiers perçoivent injustement la solde. Hey, voilà. Et effectivement, sur ma palette, c'est un joueur de Manu. Oui, bien. Un passe-plat. Un passe-plat. C'est pas un ascenseur émotionnel pour faire remonter les clubs. Non, je l'ai pas. Un passager. Allez, une passe rose. Ça se coupe, ça.
passe droit. Ah ouais, un passe droit, ça marche. Alors, soyez attentifs dans la gueule. Ou je me mets à crier. Ouais. Bah, c'est ton métier, non? Alors, une passe rose. Toi aussi, non? C'est la rose primière, ou encore primrose. C'est une espèce de plante vivace. Elle est aussi parfois appelée rose papale ou alcérose. Ça, c'est la division de la planète Terre. Sur ma planète, un passe rose est un cadeau qui donne le droit de monter avec la dame. Ah, une passe crassane. Ça se mange. Ça se mange. Tu manges des bagnoles, toi? Passe noble. Alors, passe, la passe crâne, c'est quoi? Ah bah, quand même. C'est pour éviter d'aller en mal au crâne. Alors, la passe crassane est une variété de poires d'hiver sur la planète Terre. Sur ma planète, c'est une brosse pour nettoyer la crasse de son âne. Alors là, attention. Un passe coupe. Un passe coupe. Allez, allez, allez. Hein? Allez, coupe. C'est quoi pour ce truc? Ah, passe pour se faire couper les pieds. Alors, un passe coupe en jeu de cartes, c'est en fait une pause coupe qui est simulée pour tricher sur la planète Terre. Bon, un passe coupe, c'est un ticket pour le coiffeur ou pour se faire circoncire. Un passe velours. Un passe velours. Allez, allez. Un passe relou. C'est pour nettoyer le velours. Non, velours. Ça arrive avec les fesses. Allez. C'est pour brosser les pantalons. C'est un peu trop joli. C'est un nom usuel de la marante, herbe ou fruit sec sur la planète Terre. Sur ma planète, c'est un chat qui passe discrètement. Allez, je vais vous faire un passe droit. Un dernier. Un passe droit. Si c'est gagné, passe droit. Un point. Passe droit. Faveur qu'on accorde à quelqu'un contre le droit, le règlement, contre l'usage ordinaire. Ah, c'est bien là. Sur ma planète, un balai à droite. Passe droit. Sur ma planète, c'est un manche de balai qu'on insère dans le rectum de la personne politiquement de gauche. Ah, c'est pas Benalla. Alors là, je crois que ça va vous énerver tous. Un passe-boule. Qu'est-ce qu'un passe-boule? Attention, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Allez, un passe-boule. Allez-y. Pour faire de la pétanque. C'est pour la pétanque. Apparat. Ça suffit pas de crier plus fort que les autres en fait. Allez, on passe boule, réfléchissez un peu. C'est pour se raser la tête à zéro. C'est pour se quitter. Alors en fait, la dernière émission, le passe boule. C'est la même définition sur Terre que sur ma planète. En fait, c'est un jouet représentant la figure d'un personnage dont la bouche est démesurément ouverte pour recevoir les boules que lance le joueur. Ouais, c'est la même définition. Hein. J'ai jamais dit que les... Après, qui est le jouet, je ne sais pas. Bon, alors, qui a gagné? Qui a t'as suivi? C'est pas l'autre, c'est l'envers. Ouais, c'est Encore quelques secondes, non? Ah, il y avait un... Attends, t'es presque 15 minutes. Erwan, t'es merde.